Donc, ces empreintes sont représentées des traces d'un dinosaure qui n'est pas détecté au niveau du log géologique. Cette trace a été découverte par M. Mahboubi Mohamed, c'est un professeur en stratigraphie. Donc, cette trace représente un dinosaure de Jurassique ou bien du Crétacé. Donc, on trouve ici ces grandes pas de pieds. Ce sont les pieds postérieurs. Cet terrain représenté sur le Crétacé ici. On voit bien, c'est des argiles. Des argiles plus ou moins consolidées. Des argiles plus ou moins consolidées. Avec l'intercalation des calcaires. Donc c'est une intercalation entre les calcaires et les argiles vertes. Il y a deux composants vers le... Il y a les argiles, il y a les calcaires. Les calcaires, toujours, on voit bien, c'est-à-dire les strates. Les couches noires, voilà, ce sont des argiles, même les argiles vertes, où le banc se représente les calcaires. Donc l'intercalation calcaire-argile, calcaire-argile, calcaire-argile. Ça revient à quelle période? La période, c'est le Crétacé. Ça veut dire 2000, 3000 avant? Bien sûr, 2000, non, on parle avec 17 jusqu'à 25, 27 millions d'années. Millions d'années, on parle de millions d'années. Je n'ai pas beaucoup initié sur cette trace. Juste ça, je ne suis pas un paléontologue. Ça y est, avec les dans le parc, on a les coquilles, les petits coquilles, des coquillages, des petits coquillages. On va débuter des petits coquillages. Ça représente donc que cette milieu, le milieu ici dans cette zone, la période avec un milieu lagunaire ou bien un milieu aquatique, donc où il existe des eaux, donc lagune ou bien. C'est-à-dire, milieu, c'est-à-dire la température physique, le moment qui est bien, le climat qui est bien, c'est-à-dire des climats aquatiques. Donc, c'est quand il y a un lac, c'est une grande lac, si tu veux. La zone, quand il y a une grande lac, il y a. L'activité, même on voit l'activité bactérienne, l'activité biologique, surtout l'activité biologique, elle a bien tracé.